بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 13 sur le cours du produit scalaire niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. OIJ est un repère orthonormé, soit les vecteurs U de coordonnées moins 2, 3, le vecteur V de coordonnées moins 6, moins 4 et le vecteur W de coordonnées moins 5 sur 2, moins 5 sur 3, 5 sur 2. Justifie que le vecteur U est orthogonal au vecteur V et le vecteur V est orthogonal au vecteur W. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez justifier l'orthogonalité entre les deux vecteurs U et V, puis l'orthogonalité entre les deux vecteurs V et W. Maintenant, on va corriger notre exercice. Réponse. Justifiant que le vecteur U est orthogonal au vecteur V. Pour réaliser cette justification, on n'a qu'à calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. Si on trouve que ce produit scalaire est égal à 0, alors les deux vecteurs sont orthogonaux. On a le vecteur U qui a pour coordonnées moins 2, 3 et le vecteur V qui a pour coordonnées moins 6, moins 4. Donc, U scalaire V est égal à l'abscisse du vecteur U qui est moins 2 fois l'abscisse du vecteur V qui est moins 6 plus l'ordonnée du vecteur U qui est 3 fois l'ordonnée du vecteur V qui est moins 4. Moins 6 fois moins 2, moins 2 fois moins 6 c'est 12 plus 3 fois moins 4 c'est moins 12 et 12 moins 12 est égal à 0. Conclusion, U est orthogonal au vecteur V, car leur produit scalaire est égal à 0, d'après la propriété qu'on a vue pendant notre cours. Maintenant, justifiant que le vecteur V est orthogonal. Le vecteur V est orthogonal au vecteur W. Donc je vais faire la même chose. On a le vecteur V qui a pour coordonnées moins 6, moins 4. Et le vecteur W qui a pour coordonnées moins 5 sur 3, 5 sur 2. Je calcule leur produit scalaire. V, donc, le vecteur V scalaire, le vecteur W, est égal à moins 6, l'abscisse du vecteur V, c'est moins 6, fois l'abscisse du vecteur W, c'est moins 5 sur 3, plus l'ordonnée du vecteur V, c'est moins 4, fois l'ordonnée du vecteur W, c'est 5 sur 2. Moins 6 fois moins 5, c'est 30, donc ça donne 30 sur 3, plus moins 4 fois 5, c'est moins 20 sur 2. 30 sur 3, c'est 10, plus moins 20 sur 2, c'est moins 10. Et 10 plus moins 10, qui est égal à 0. Conclusion, le vecteur V est orthogonal au vecteur W. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.